Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 60 minutes chrono. Je suis toujours Myadine, j'ai pas changé mon nom, pas changé mon pseudo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 60 minutes chrono sur Resident Evil Code Veronica X. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Resident Evil? Alors, si je me souviens bien, pour être tout à fait honnête avec vous, le seul Resident Evil auquel j'ai joué, c'est le Resident Evil 1, le premier du nom. Voilà, ah oui, pense au chrono, oui, Péradur fait bien de le dire, ouais, alors après ça va, c'est juste l'introduction, donc c'est pas grave, on lui accorde une minute de plus, ça fera une minute de moins sur la conclusion, hop là. Donc ouais, le seul Resident Evil auquel j'ai joué, c'est le premier du nom, j'ai joué à aucun des suivants, donc c'est une découverte réelle pour moi. Malgré tout, vu que c'est quand même une des sagas principales de l'histoire du jeu vidéo, je connais à peu près l'histoire des différents opus, donc pour résumer, en gros, vite fait, ce qui se passe dans le premier, c'est que on débarque dans une ville qui s'appelle Raccoon City, en fait, je crois que le scénario de base, c'est juste, il y a des meurtres à tendance cannibalistique, qui ont lieu justement dans la ville de Raccoon City. On y envoie une team des Stars, qui après quelques jours n'envoie plus de rapport, et du coup on envoie une deuxième team de Stars dans laquelle tu as les deux héros du jeu qui s'appellent Jill Valentine et Chris Redfield, si je ne m'abuse, et qui vont se rendre compte que en fait ça va super mal, que la ville est envahie de zombies. Ouais, c'est juste la version PS2, c'est ça. La ville est envahie de zombies, et que derrière ça il y a une compagnie qui s'appelle la Umbrella Corporation, qui a en fait travaillé sur un virus qui a transformé les gens en zombies. Ensuite, dans le Resident Evil 2, qui a lieu un peu plus tard, on incarne, je crois, d'autres personnages, puisque là c'est Léon et c'est Claire Redfield. C'est Claire Redfield, là, je crois qu'on incarne, on l'incarne pour la première fois dans le 2, et c'est la sœur de Chris qui part justement à la recherche. Dans le troisième jeu, tu as là par exemple, c'est Jill Valentine qui est l'héroïne principale et qui est là, elle, dans une autre ville que. Dans un total autre endroit que Raccoon City. Et après ce jeu là, justement, débarque le Code Veronica. Qui lui reprend les personnages survivants des jeux précédents, donc la fameuse Claire Redfield, qui est, je crois, l'héroïne du jeu, et qui là, si je me souviens bien, c'est dans ce jeu-là qu'on apprend l'existence de Wesker, le fameux grand méchant des derniers épisodes qui sont sortis. Donc voilà, comme le disait Vaux, en fait, c'est un portage d'un jeu qui est sorti sur PS2, si je me souviens bien, le jeu a été porté sur PS2, puis PS3, puis et là il vient de débarquer sur PS4. Tu sais, tu peux résumer à t'es paumé quelque part et les zombies essayent de te bouffer pendant que tu résous des énigmes cheloues et que tu te prends des jumpscares. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ah, d'accord. Ça promet. Donc on va voir ce que ça donne, hein. En une heure. Mais le truc, c'est que je sais pas exactement si l'esprit des premiers avec les jumpscares, etc. était. Ah putain, ils ont même pas. Mais sérieux, ils ont même laissé le PlayStation 2, quoi. Ah oui, dur. Bon, au moins, t'as la localisation en français, c'est déjà pas mal. Comment te dire, la carte mémoire de 8 mégabits, oui, retour vers le futur, bonjour. Alors, appuyez sur la touche Start, donc il faut appuyer sur le pavé tactile, ils ont dit. Ce jeu contient de nombreuses scènes de violence. Bah, ouais, je pense que tu le sais. Quand tu as joué au premier. Donc le jeu a 16 ans, c'est ça? Il est sorti en 2001. Je vais développer par Capcom, du coup, ouais. Ah, j'ai pas résolu mon problème de son. Oh putain.
Ah ouais, donc c'est même pas un remaster, c'est juste un portage en fait. Oh putain, ça promet. Appuyez sur touche start de mise en marche. Ah oui, donc tu n'es même pas porté en 1080p en fait. Enfin, si, t'es en 1080, mais t'es pas en full screen. Ah, c'est plus de l'émulation qu'un portage, ouais, c'est ce que je vois, effectivement. On va voir la configuration. Donc, oui, c'est bien l'épisode où on découvre Wesker. Alors, config écran. Alors en fait ça fait strictement rien. Parce que je suis déjà en résolution maximale je pense pour... Non on va pas mettre de vibration s'il vous plaît. Ah ça sert à rien, t'as pas un cathodique effectivement, mais j'ai essayé tu vois. Hein. Mais allez là! Allez, nouvelle partie, on va voir ce que ça donne. Mon Dieu. J'ai peur, les enfants, j'ai peur. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated. Ouais, non, là, je pense pas qu'on aura 40 minutes de discours, par contre. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, Raccoon City, la population était décimée par le virus T qui a été relâché par la corporation Umbrella. Claire Redfield, qui a débarqué à Raccoon City à la recherche de son frère Chris perdu, et un policier débutant, Léon Kennedy, ont réussi à s'échapper de la ville, mais leur aventure n'était en fait que le point de départ de leurs événements. 3 mois plus tard. Ouais, là, je dois avouer que, putain, c'est vraiment... je sortirai et je brancherai ma PS2, ce sera là pareil, quoi. En fait, je vois même pas vraiment l'intérêt, quoi, c'est... Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. C'est en gros, c'est juste si tu veux jouer à ce jeu-là et que tu n'y as pas joué à l'époque et que tu n'as pas de PlayStation 2 à disposition. Chris Redfield, un des surviving members of RPG's famous Stars teams. Get down! Ouais, parce que c'est vrai qu'il doit être vendu il doit être vendu pour quelques euros quand même ce jeu. On va voir, attendez. Ouais, 14,99. Il est vendu pour 14,99 € sur le PlayStation Store. Wouah, badass! J'aime bien, on te la décrit quand même comme une civile. Hein. Moi je dis plutôt balèze pour une civile. Don't move.
Voyons voir. Avec un briquet, je pourrais mieux y voir. Ah ben oui, là c'est tout cassé pour le coup. Désolé pour le petit incident. Un grand black qui vient nous visiter dans notre prison. Ah, a priori, il est blessé. This prison's been taken over. Les cheveux roses, bah non, ils sont rouges là. Mes cheveux, ils sont bien. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Waouh, oh, les bonnes animations d'il y a 15 ans. Oh mon dieu, j'ai oublié. À quel point ça pouvait être chiant à manipuler ce truc. Alors désolé, hein, faut vraiment que je reprenne les... les commandes d'il y a 15 ans, pour le coup. Alors, attends. On va équiper ça. Voilà. Juste... au cas où... ouais, sauf que ça nous... plombe la luminosité, donc du coup... alors la question c'est, est-ce que tu peux ramasser la plante? Il y a une plante là. Oh la vache. Oh là 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 là. Alors attends, tourne. Voilà. Et... non, tourne et va tout droit. Ouais. Tu pouvais déjà combiner les herbes vertes et tout. C'est déjà ça. Rien. Oi, 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 oi. Bon, on va sortir a priori.
Des bons cafards. On va aller ramasser les balles. Putain, c'est fou comme il faut que tu leur apprennes tout en fait. Je me mets au milieu, bien en face. D'accord, donc là on a une sauvegarde avec les rubans encreurs. Je ne me souvenais plus du tout que ça fonctionnait comme ça. L'idéal, ce serait que je me trouve un flingue quand même. Non, a priori. Ah! Bonjour, la barre de l'escalier qui me passait au travers des jambes. Waouh, l'animation à 2 à l'heure. Non. Et j'ai toujours pas de flingue. Alors, est-ce que je peux ouvrir le... Est-ce que je peux faire exploser le tout? Une petite pause rapide. Ah oui, d'accord, et tout le monde sort du cimetière en plus. Bon, ça va être top. Pas d'armes, si ce n'est mon couteau. Et soyons honnêtes, on ne peut pas faire grand chose quand on tombe une vie. La question est qui va venir me sauver pour le coup? Mais comment tu cours dans le jeu, on te le dit pas. Ah.
Avan, qu'est-ce que tu fais? Mais putain, tourne pas, connasse! Hey! Ah, si j'ai le chat qui s'y met en plus, ça va pas le faire. Oh boy. Ah, c'est un... flingue automatique. Ah non, 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 il y a un mec derrière. Oui, oui, don't you. Tirez pas, j'ai cru que vous étiez un zombie. You're not a zombie. C'est Léon, en fait. We're right there. I'm coming over. Je suppose. Sorry about that little misunderstanding. But I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Dis-tu après qu'il t'ait dégagé ton... I said I was sorry. Ton flingue comme ça d'une main tranquille. Ah non, c'est Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. J'ai cru que c'était Léon. Mais non. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire. On va supposer que Steve se fait manger à un moment ou à un autre. Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. But once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. Oh, la belle faute. Que tu me suives sans baisse. Mortir, as-tu traduit ce jeu? Alors, l'horreur commence. Ok. Non, mais j'aurais dû. Alors. Associer. Ah ça. Ah, je peux avoir que 15 balles au maximum. Ok, ça promet. Elle est fermée, ok. Que je trouve là. Ok. Ok, je me suis. Ah, on se souvient comment on tire, c'est déjà ça. Là, tu cours. Ouais, non, c'est là que je viens, donc non, pas trop en fait. Ah, les temps de chargement de l'infini, quoi. Par qu'il est impossible de l'ouvrir. On va prendre tout ça, hein. C'est pas perdu. De toute façon, vu qu'il va falloir. Il va me falloir 70 millions de balles pour toucher un zombie la première fois.
priori, c'est la seule porte que je peux prendre. Ah, tiens, il y a une herbe. Je peux pas la prendre. Est-ce que je peux shooter le cadenas? Ah, par contre, ce système de déplacement, la mort moelleux, me tue le cerveau, quoi. T'as juste à monter un escalier, mademoiselle. Sérieusement, faut appuyer sur X pour monter un escalier. D'accord. Alors, je pense que je peux les associer les deux si ça marche comme dans... Oui. Utiliser. Ah là, là, normalement, on a récupéré la santé, on se traîne plus comme une Golio. Bon, on va aller voir là-dedans. Ah, oh, putain, les gars, c'est violent quand même de revenir aussi loin en arrière, hein, même sur... Oh, putain, non, on va se casser. Non, il fonctionne pas en full auto, je pense. Pourquoi on a eu une espèce de mini cutscene là? Vous avez avoué que j'ai pas tout compris. Alors lui, il s'est fait exploser le crâne, donc c'est à peu près... Ah. Là, tu peux être sûr que quand je vais revenir sur mes pas, il va y en avoir 70 000 et que je vais être bloqué par la porte... Alors, où est-ce que je vais débarquer, là, par contre? Ah! Ok, mais oui, bonjour, j'ai utilisé 40 balles. Donc tu peux pas viser mieux que ça, en fait. Ah, je vois pas du tout de curseur, en fait. C'est bien ça, le problème.
suis ça, ça va en être blindé aussi, tu vas voir. Please deposit any metallic items you have in the security box. Comment te dire non? Bon, on va se casser. Hein. On va essayer d'aller tuer les, ceux qui étaient dans la petite maisonnette là. Voilà. J'espère que ça part respawn. On va pas le tenter. Hop. Putain, c'est chiant. Pourquoi tu peux pas viser dans ce jeu? J'ai utilisé toutes mes munitions. Je dois vous avouer que j'en ai aussi marre de me déplacer en zigzagant. J'ai plus de balles. Mais non, mais putain, j'en ai marre de ce système de déplacement, la mort moelleux. Ah. C'est chaud quoi. Les vieux réflexes, il faut que je retrouve. Attendre qu'ils reviennent. Pourquoi je peux pas lui caler deux headshots? C'est chiant quoi. T'as vraiment aucun système de visée, j'ai l'impression. Est-ce que t'as une option ?
changer de cible. Alors attends. Avant. Un petit point blanc. Statue. Ok, attaquer, annuler, courir, carte. Peut-être que je devrais essayer de jouer au. Ah, ça marchera peut-être mieux au. Ça marche effectivement un peu mieux avec le pad plutôt qu'avec le stick. Et donc là, on a pris la carte. Toilette. Alors effectivement, ça marche un petit peu mieux. Juste un petit peu. Alors qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté de cette porte? Salut Crozer. Il est mort lui. J'espère. Journal du prisonnier. Ah, content que je le stream, bah. Moi je t'avoue que j'y ai pas joué, c'est dur de s'y remettre. Hein. J'allais dire, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui ait bougé encore. Alors, Crozer, si tu sais quel est des headshots, ça m'intéresse. Ah, bien. Il a réveillé toute la maisonnée, en fait. Bon, bah, je vais crever, là, je pense. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Ah. Alors attends. On va aller associer ça histoire d'être tranquille. Parce que j'ai vu qu'il avait largué des flingues l'autre. Ah ouais, il y a un truc qui brille au sol, il a largué son Uzi en fait. Mais voilà, là ça devrait être bon. Ah non! Là c'est bon par contre. Ah c'est ça. Ah, des Calico M100P. Vous, notre expert des armes, ton opinion sur le Calico M100P?
Ah, par contre, je suis vraiment à la dèche niveau vie. Hein. Je suis faible. Ouh, il y a des toilettes. Ah, des douches. Bon, de toute façon, on joue encore que pour 18 minutes pour le moment, donc... Mais ouais, je confirme, donc si jamais vous voulez rejouer à ce jeu-là, ne vous faites pas avoir et n'utilisez pas les sticks, c'est juste injouable. Ouais, je joue en normal, Crozer. Bah, à vrai dire, ouais, on n'a pas vu d'option de... Je crois pas me souvenir avoir vu une option de choix de niveau, de choix de difficulté. Non, c'est comme dit Crozer, on est dans une émission 60 minutes chrono, en fait, c'est un format dans lequel on donne une heure à un jeu pour nous donner des pour nous permettre de... Pour nous faire une impression dessus, en fait. Et vu que là, le reportage est récent de ce jeu sur PS4, et ben, on a décidé de lui donner sa chance. Et je dois avouer que c'est plutôt cool de voir que on peut rejouer à des vieux titres comme ça, mais est-ce qu'on irait remettre 15€ dans un jeu comme ça qui est, là, c'est ni plus ni moins que le jeu de la version PS2, quoi. Hein, absolument rien de nouveau. Ah, il y a une herbe là-bas. On va aller la prendre en espérant qu'on en retrouvera une autre pour combiner un peu plus tard. Alors, je peux pas ramasser ce qui est sur la table, pourtant ça avait l'air intéressant. Ah oui, t'as 8 emplacements d'inventaire aussi, c'est ça. Donc faut faire gaffe à ça. Mmh. Ouais, c'est quand même vachement mieux avec le pad qu'avec le stick, je confirme. Après, l'avantage, c'est que contrairement au jeu qu'on a testé auparavant, il est disponible 100% en français. Enfin, 100%, pas 100%, mais il est sous-titré au moins. De toute façon, je suppose qu'il faut que je continue par là. Salut la brume! Maintenant on a des armes, on peut peut-être aller faire le ménage du côté de la petite prison qui restait là. Quoi de neuf, monsieur la brume, tout va bien? La question c'est, est-ce que je peux les quitter à travers le... Non. Oui, ça marche. T'as chaud? Ouais, bah oui, je me doute bien. Disons que ça m'embête un peu parce que si je rentre là-dedans, je dois laisser tous mes objets métalliques en fait. Ce qui est un petit peu problématique vu que ce sont mes seules armes. Quelle température il fait chez toi? Non, le lecteur flash fonctionne pas. On a eu un souci. Le même souci que de coutume avec. Le même souci que d'habitude avec le. Avec le lecteur flash, en fait, il y a eu un crash et du coup, je peux pas le réutiliser. On peut pas relancer.
Alors le jeu précédent c'était c'était Danganronpa, Another Episode, Ultra Despair Girl, je me souviens plus, quelque chose comme ça. En gros le spin-off de Danganronpa, le troisième volet qui est sorti. Ah oui, mais en fait, là, je suis baisé parce que tout est fermé. Et c'est ça, voilà, Vortia l'a plus ou moins bien résumé. La dernière émission qu'on a enregistrée, c'est effectivement un jeu. On a vu 55 minutes de discours et 5 minutes de jeu en tout et pour tout, même si le discours fait partie du jeu, bien évidemment. Alors, est-ce que je peux reset l'alarme ? Ce sera logique. Voilà. Please deposit any metallic items you have. A priori, là, je suis bon, hein. Ah non, il faut sérieusement que je dépose le briquet aussi, quoi. Oh là. Please deposit any metallic items you have. Mais je vais me faire péter, comment vous allez retrouver des... Comment ils veulent que je retrouve des armes? Elle a l'air aussi dépitée que toi. Bah, disons que elle est un peu blessée parce que c'est pas facile de rejouer à un jeu de ce type après tant de temps. Ouais, t'as donc vraiment no way de récupérer tes armes. Ah non, la ceinture, c'est stérilé. Activating the NS3D scanner. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah, je suis assez perplexe là. Ah. On a donc des grenades. Ah non, spray de soin. Oui. Ça, ça va être un dossier, mode d'emploi duplicateur 3D. Composé de deux éléments, le scanner 3D, c'est le mot vous permet de scanner des objets en 3 dimensions. Ah, il doit y avoir un truc à la con comme quoi il faut que je fasse la reproduction de la ceinture ou de la boucle avec, avec l'aigle qui permet d'ouvrir la porte là-bas, c'est ça? Ok. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On va essayer de savoir. Ah mais non, je suis con. Bon, ça marche pas. Donc il faut que j'aille à la recherche de cette boucle... Qu'est-ce que c'est que ça? Grenade au napalm. Bon, oui, écoute, hein. Ça,
signe quoi? Grenade fumigène, ok. Bon, bah, je vois plus qu'une solution, faut que je sorte. Repérer dur. La fax demande accès au complexe. Bah, remercie Amazon, hein. Ah, juste au cas où. Ah non, c'est. Ah d'accord, en fait c'est pas des grenades que je peux utiliser comme ça. On parie 100 balles qu'il y a un zombie qui m'attend à gauche là. Ah non. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative? Bah oui, c'est mon frère. Disons que voilà, là au moins tu vois, t'as un sacré contraste avec le jeu précédent, le jeu de la dernière émission. C'est vraiment. Ah, t'as eu 5 minutes d'intro, et pourtant c'est une suite de suite de suite de suite de suite. Non, c'est une suite de suite de suite. Et hop, on balance toutes les informations, et puis voilà. Tu te débrouilles, tu te fais sauter dessus par des zombies, et puis pas de question. That file shows the latitude belongs to this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. No way. He won't come. Alors, pourquoi il ne viendra jamais? Explique-moi, Leonardo DiCaprio. Believe me, I know. What was that all about? Ah, du coup, on va avoir un point de sauvegarde. C'est plutôt pas mal. Parce que je suis bien tenté de continuer à y jouer. Ah bah au moins on en a 3, c'est déjà ça. On va pouvoir faire des stocks. Putain, ma PlayStation 4 qui a 8 mégabits de mémoire, quoi, c'est beau. Eh oui, t'inquiète, Sans, ça vient, ça vient. Hop. Ah bah voilà. Emblème du faucon, oui. Ouais, ils ont gardé le système de sauvegarde. Mais c'est la brume, c'est le jeu de 2001. C'est exactement le même jeu. C'est pour ça que j'y joue en format carré. C'est un tube cathodique, le truc. C'est le jeu de 2001 qui a été porté qui a été porté sur PS4 et qui est vendu 15€. C'est pas du tout un remake, hein. C'est ça, c'est comme si tu jouais un émulateur de PS2 sur ton... ta PS4. Il y a ça, 15€. Après, dire que c'est du vol, peut-être pas quand même. Mais voilà, c'est... Enfin, je vois pas quel intérêt à un joueur...
À moins que on tombe sur un joueur qui aurait découvert la saga Resident Evil sur PS4. On va dire un jeune joueur et qui voudrait le faire et qui a pas envie de se racheter une PS2 et le jeu d'occasion. Je pourrais comprendre, mais même 15€ quoi, faut pas pousser. C'est le jeu que tu trouves, tu dois le trouver pour pas grand chose sur eBay, je pense. Voilà. Mais on peut pas faire l'apologie du piratage, c'est pas bien. Alors la question c'est où est-ce que je trouve le matériel maintenant? Ouais, c'est exactement. Je me suis fait exactement la même réflexion. Tu vois, j'ai beau être collectionneur, la brume, la mini NES et la mini SNES, non. Bah ouais, non mais Père est dur, tu peux tomber sur un mec qui veut savoir le début de l'histoire des personnages, peut-être, hein. Je sais très bien que c'est un truc de niche pour le coup. C'est pas par là. Please deposit any metallic. Ah, mais j'ai rien sur moi en métal normalement. Les grenades, elles sont en métal, vous pensez? Ah oui. A priori, elles sont en métal. Bon, ça va, on se calme. Ah oui, parce qu'en fait, je peux pas ramener l'emblème de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut que je crée un double. C'est les rubans aussi au cas où. C'est pour ça qu'il faut que je crée un double, c'est parce que je peux pas la ramener. Mais j'ai pas l'impression que ce soit logique de. Bah la mini SNES sera commercialisée à 90€ avec 20 jeux dessus. Et ils ont trouvé le moyen de la faire acheter à tout le monde en fait avec la. En fait, ils foutent dessus la ROM de Star Fox 2, du jeu qui est jamais sorti. Hop. Mais le pire, c'est que c'est plausible en fait, Père et Dur. C'est tout à fait plausible. À moins que les commandes que j'ai utilisées là, c'est ouvert la grille des. On va aller voir, hein, la session de test est bientôt finie, mais. Ah. Peut-être qu'avant ça, on va aller rééquiper notre arme. Rééquiper. Oh shit. Alors attendez, on a dit
n'utilisez pas les... Ah, efficace, efficace ces armes là, j'avoue, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'ils cachaient eux? Rien. Et ça, par contre, j'aurais peut-être pu tirer dedans. Prendre extincteur. Bon, quoi qu'il en soit, cette heure de jeu est terminée sur. Donc, c'est Resident Evil. Code Veronica X. Ah si, là j'ai des munitions encore sur ce jeu. Je peux regarder vite fait. Si tu vois, j'ai 77%, donc ça va. Donc voilà, c'était 60 minutes chrono sur Resident Evil Code Veronica X. On va pas dire du mal du jeu, parce qu'au final, le jeu, il délivre ce qu'on attend de lui. C'est quand tu l'achètes, tu t'attends à avoir vraiment le jeu originel, et tu as le jeu originel. Le problème, c'est qu'à la manière de certains autres jeux portés qu'on a pu voir dans le cadre de notre émission, malheureusement, c'est vraiment littéralement le jeu de 2001 que l'on te vend encore à 15€. Et c'est vraiment problématique dans le sens où plutôt que... Enfin, t'as juste plus personne à payer sur ce jeu. Le jeu, il est déjà rentabilisé, donc plutôt que de le filer à 15€, tu le vends 5€. C'est un jeu qu'on peut trouver, tu peux télécharger en 2 minutes chrono sur n'importe quel site de piratage. C'est un jeu que plus personne à l'heure actuelle qui commence à jouer à la saga a vraiment d'intérêt à aller tester. Je suis vraiment, vraiment pas convaincu en soi du fait du pricing du jeu. Après... en termes de gameplay, bah, ça reste un Resident Evil à la sauce de base, c'est-à-dire un jeu d'horreur avec des jumpscares, des zombies qui t'attaquent de partout, tu passes une porte, t'en as trois qui tombent sur le paletot et t'as pas le temps de t'en sortir. En termes de maniabilité, par contre, ne faites pas la même erreur que moi, ne commencez pas à jouer avec le stick, ça ne sert strictement à rien, le jeu est beaucoup plus intuitif une fois que vous commencez à utiliser le pad, et ça a été ma grosse erreur, puisque bah, moi j'ai pas joué à Resident Evil depuis la sortie du premier, donc ça vous dit à quel point ça date, puisque voilà, on remonte quasiment au début des années 80, fin des années 90 pour moi. Donc vraiment faites pas cette erreur là, concentrez-vous là-dessus. Après ben voilà, ça reste un Resident Evil à l'ancienne sauce, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se fait à l'heure actuelle dans la saga, mais ça reste intéressant. Après, est-ce que c'est un jeu que je pourrais vous recommander de jouer auquel je pourrais vous recommander de jouer maintenant en 2017, j'ai envie de dire mais non les gars, enfin vous avez il y a tellement d'autres bons jeux qui sortent, j'ai envie de vous dire, regardez, hein, juste sur ma ludothèque installée sur la PS4, préférez passer du temps là-dessus, voire même là-dessus, hein, au pire du pire, vous allez voir là-dessus. Je vois pas, honnêtement, qui pourrait avoir un intérêt à aller jouer à ce jeu. Un vieux de la vieille qui voudrait rejouer à ce jeu-là, on peut être à peu près certain qu'il l'a encore chez lui. Tu vas pas rejouer... Enfin, si t'es fan de la série au point de vouloir y rejouer, c'est que t'es le genre de mec qui l'a gardé chez lui et qui le revendra jamais. Tu découvres la série maintenant, tu vas tester... tu vas pas aller tester un vieux spin-off tout pourri juste sous prétexte qu'il est disponible sur ta PS4, quoi. C'est ça, Péradur, exactement. Je comprends pas la logique derrière, en fait. C'est, enfin, surtout le pricing, 15€, mais enfin, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Littéralement, ce jeu, c'est la même version, la même putain de version que celle à laquelle on jouait il y a 16 ans. Ça t'a rien coûté, pourquoi tu le mets à 15 balles ? Je comprends pas.
Donc voilà, en soi le jeu est bon, le jeu est toujours aussi bon, mais le problème c'est qu'il est plus vraiment adapté à ce support là. Enfin franchement, pourquoi tu fous 15 balles pour jouer sur un écran cathodique quoi, sur un simulateur d'écran cathodique? Je vois pas, je comprends pas. Le jeu, voilà. Si vous voulez jouer à un Resident Evil Code Veronica X et que vous n'avez pas de console à disposition, que vous êtes, que vous avez un semblant de conscience et que vous voulez pas pirater et que vous n'avez pas joué du côté de l'émulation, eh ben achetez-le. Mais enfin, franchement, allez, imaginez quoi, 15€. 15€, c'est un de, c'est la moitié du prix d'un Life is Strange. Plein pot, hein, j'ai envie de dire encore. Donc, je sais pas. Voilà. Si vous voulez jouer à Resident Evil Code Veronica X, faites-vous plaisir parce que c'est un bon jeu. Mais est-ce que ça vaut la peine de foutre 15€ dans un 15€ dans ce jeu qui est ni plus ni moins qu'un jeu qui a 16 ans? Là encore, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je demande à voir les chiffres de vente parce que je comprends pas, que je vois pas en qui irait acheter ça à 15€. Voilà. Je sais pas. C'est ma conclusion. Je comprends pas. Je comprends pas. Le jeu est bon, jouez-y si vous y avez jamais joué et que vous aimez les Resident Evil, parce que c'est un jeu qui doit être super sympa dans l'esprit. Mais je comprends, enfin, je peux pas honnêtement, en mon âme et conscience, vous inviter à dépenser 15€ là-dedans. Ça s'apparente pour moi à, voilà, c'est pas du vol parce que c'est un choix conscient que vous faites, mais je vois vraiment pas. Comment vous pourriez mettre 15€ dans le jeu, 15€ dans le jeu plutôt que dans un autre. Voilà. C'est mon mot de la fin. Je suis désolé, ça finit un peu en envolée dithyrambique contre le principe même du jeu. Mais non, c'est. Je suis pas vraiment convaincu. Voilà. Donc voilà, je vous. C'était donc une nouvelle émission de 60 minutes chrono dédiée à Resident Evil Code Veronica X sur PS4, qui est donc le portage pur et simple de la version PS2 du jeu sur votre PS4 pour que vous puissiez y jouer si jamais vous en avez envie, à 15€. Donc localisé en français, puisque le jeu de base était localisé en français, même si les dialogues sont encore en anglais, comme de coutume. C'est donc disponible sur PS4 et je suppose que ça n'est pas sur Vita parce que ça doit être vraiment infernal à jouer sur Vita. Mais bon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Je vous invite à partager vos impressions sur notamment le pricing des portages sur les consoles de la nouvelle génération si vous avez une opinion à faire valoir. Et je vous dis donc rendez-vous plus tard pour une nouvelle émission de 60 minutes chrono. À plus tard, ciao ciao.